Bonjour, une fois de plus, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Ouvira News TV. Nous avons le privilège de vous recevoir ou d'être en contact avec vous cet avant-midi d'aujourd'hui. Nous, c'est Olivier Ramazani Alvin Basoubi. Nous sommes ou nous avions toujours été votre humble serviteur. Au compte de l'émission Zoom sur la société. Zoom sur la société, c'est une émission politique qui donne l'occasion aux différents candidats pendant cette période électorale pour s'exprimer, présenter leur offre politique, comment se déroule leur campagne électorale, mais aussi parler un peu, c'est aussi une occasion offerte aux candidats pour qu'ils s'expriment et qu'ils expriment un peu, qu'ils parlent un peu de leur profil. Voilà, aujourd'hui, comme tous les autres jours, nous sommes pour ce programme avec quelqu'un qui va devoir se présenter. Je vous signale que c'est sa toute première fois d'être invité dans l'émission politique Zoom sur la société. Nous serons avec lui dans 30 minutes et vous allez devoir comprendre qui est-il, qu'est-ce qu'il a comme offre politique et comment se déroule sa campagne électorale. Nous ne sommes pas en train de mener sa campagne, mais c'est une occasion qui a été et qui est offerte à tous les candidats qui désirent passer sur ces plateaux. Vous voulez aussi faire comme lui, contactez le numéro qui est en bas et vous serez répondu favorablement et facilement vous aurez aussi l'accès à ces plateaux. Laissez-moi vous annoncer que l'émission est de proximité et elle se passe en toutes les deux langues, donc le français et le swahili. Voilà, merci, bonjour messieurs et vous êtes la bienvenue sur le plateau de la télévision Ouvira News TV. Bonjour Olivier, merci beaucoup de votre invitation. Merci à tous les téléspectateurs et à tous les peuples congolais. Voilà, notre auditoire aimerait savoir qui êtes-vous en termes de présentation avant que la première question vous parvienne. Merci beaucoup. On m'appelle généralement docteur ambassadeur Doudou Mirefu. Moi, je suis plus engagé dans les choses qui peuvent aider à la transformation de la société. Ça, c'est ma vision. Si je peux me présenter en termes de vision, elle est bien décrite dans le livre que j'ai écrit en 2010, qui est intitulé « La diplomatie communautaire, une approche efficace pour la paix et le développement ». Alors ça, c'est un peu ma vision. Et mon objectif dans cette vision, je dis souvent, si on devait se rappeler de moi, lorsque je ne suis plus au Vira, je ne suis plus en RDC, ou je ne suis plus dans ce monde, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a touché, qui a impacté une vie, et comme quelqu'un qui aura contribué à la transformation de la société. C'est ça un peu ma vision de la diplomatie communautaire, c'est-à-dire construire les ponts entre les gens, unir les gens autour des objectifs précis qui peuvent les amener en avance, autour des projets communs, autour des intérêts et des problèmes communs, comme on dit dans le livre, et aussi donner à chacun la chance égale, ce qu'on appelle l'équité, pour que chacun puisse déployer son talent, son savoir-faire, déployer son tact et sa sagesse pour impacter sa génération, pour aussi être rappelé dans l'histoire pour ce qu'ils sont, effectivement, et pour ce qu'ils auront fait pour les autres, pour la nation, pour la société. Bon, c'est ça la raison pour laquelle moi, je suis promoteur de l'université coopérative. Et là-bas, nous avons 1380 jeunes qui ont déjà bénéficié de bourses et d'études. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais au moins, on essaie de faire ça. C'est pour cette raison que j'ai initié des mutuelles de santé depuis 2016, et qui permet à ce que les gens payent la moitié de leurs factures pour les soins médicaux et la mutuelle paye pour la moitié pour eux. Et l'université, c'est depuis 2018. C'est pour cette raison aussi que moi, j'ai déjà promis à 163 coopératives ici à Ouvira, qu'on a essayé de capitaliser, qu'on a essayé avec notre incubateur qu'on appelle le Surcoop, à amener à l'existence et à faire progresser avec des conseils, avec des financements et avec des appuis techniques. C'est pour cette raison aussi que l'organisation que moi je dirige
est déjà installé dans les 26 provinces de la RDC. Et partout, nous essayons de faire la même chose, promouvoir l'éducation, la santé et la création des emplois et des richesses à travers les coopératives. Ça, un peu ma façon d'impacter. C'est aussi pour cette raison que moi, je soutiens la candidature de Denis Mukwege comme président de la République. Pourquoi ? Parce que je pense que chaque génération a ses problèmes et il y a des hommes pour le temps, pour ces moments-là où il y a ces problèmes précis. Et pour la RDC, je suppose que je considère la RDC comme quelqu'un qui a un procès, qui a un problème avec son voisin, avec ses voisins d'ailleurs, ou avec d'autres, et qui se dispute des choses qui lui appartiennent, mais qui n'a pas la possibilité d'aller là où l'affaire doit être tranchée. Quand vous voyez comment notre président se déploie partout, et quand il rentre, il n'y a pas de solution, quand vous entendez Fortuna Bissele le dire que le président m'a envoyé voir Kagame, mais nous avons affaire avec Kagame, si nous avons le problème avec lui, mais vous le voir pour un carnet d'adresse, bon, moi ça me fait pitié, je me dis qu'il nous faut quelqu'un qui peut arriver là où il y a celui qui va trancher le problème. C'est notre qui, problème se trouve au niveau de la communauté internationale, au niveau des complots ourdis au niveau mondial pour piller les richesses de la RDC. On ne peut pas aller demander carnet d'adresse devant l'agent de ces gens-là. Mais il faut quelqu'un qui a la capacité, comme un prix Nobel de la paix, qui peut les affronter, qui peut respecter, qui peut écouter. Et c'est pourquoi vous entendez, il y en a maintenant des multinationales, des gens de mauvaise foi qui l'appellent maintenant un nouveau Che Guevara. Et les, bon. Peut-être toujours dans ce sens-là, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege que je cite et que je salue, en dehors de, d'être candidat à la présidence ou en dehors de devenir président de la République démocratique du Congo, il ne peut pas user de son influence comme il a un carnet d'adresses exorbitant selon vous. Il ne peut pas user de son influence en fait que la communauté internationale s'implique davantage dans la question de l'activisme des groupes armés dans la partie est de la RDC, afin que la communauté internationale qui les reçoit à chaque fois permettait et interpelle le président rwandais Paul Kagame et lui dire non, non, c'est vraiment assez, nous te disons, nous t'invitons à cesser avec ton soutien aux rebelles du M23. Il ne peut pas user de cela en dehors d'être président ou candidat à la présidence. Bon, merci beaucoup pour la question. Et moi, si pas, pourquoi il ne le fait pas? Moi, je suis son candidat, je suis son conseiller chargé de la paix et de la sécurité. Donc, je sais qu'est-ce qu'il fait, où, et quand et comment. Et je sais que, par exemple, si le président Kabila a quitté le pouvoir, c'est grâce au plaidoyer qu'il a fait jusqu'au Congrès américain et qui a abouti à une loi aux États-Unis qui oblige le gouvernement américain à intervenir si la démocratie est bafouée en RDC. C'est ça qui a fait que Kabila quitte le pouvoir. Je sais que, par exemple, il a fait un plaidoyer au niveau du Parlement européen et il a obtenu un embargo contre le Rwanda sur la vente des minerais. Vous savez que si le Rwanda vient se battre chez nous, c'est pour chercher des minerais. Et c'est pour aller les vendre à l'étranger, en Occident notamment. Et s'ils ne peuvent plus les vendre en Europe, pourquoi est-ce qu'ils viendraient se battre? Donc pour nous, le prix Nobel de la paix a fait son rôle et il a obtenu un embargo pour interdire au Rwanda de vendre des minerais qui ne produisent pas sur son sol. Par conséquent, le Rwanda devait juste cesser la guerre, mais malheureusement, vous connaissez ce qui s'est passé après l'investisseur du président Tshisekedi. Il a signé un accord de coopération minière avec le Rwanda qui a permis à ce que le Rwanda continue à exporter des minerais et donc il y a encore des raisons de se battre pour voler des minerais parce qu'ils vont les vendre. Sinon, le prix Nobel de la paix avait déjà fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ait la démocratie et pour que le Rwanda cesse de nous harceler pour venir chercher des minerais. Un conseiller phare du candidat président Denis Mukwege, c'est vraiment un très bon sujet, c'est une très belle thématique. Malheureusement, on n'y est pas pour aujourd'hui, docteur Doudou Mirefou. Nous vous avions réussi pour parler de vous. Pour parler de nous, on a tout fait parce que l'émission est bilingue. Moutaïle Wakama, tout le quoi, on a engueulé à Kidogo, on a fait juste un clin d'œil sur la mobilité du docteur Denis Mukwege, candidat à la présidence. Malheureusement, on a dit que c'était un délai coulé parce que
Leo Tulimualika, docteur Dudu Mirefu, Kusudi Tusumulie, Kumousu Yeye. Donc, on a plus beaucoup besoin de savoir qui est docteur Dudu Mirefu, anafanya nini, alisha fanyizia Uvira nini, na anatarajia kufanya nini. Une fois bakamupatia ama nyie benye muko munatayarishwa kuchagua mukimpatia mandat, qu'est-ce que vous pouvez bénéficier ou qu'est-ce que vous pouvez attendre kwa docteur Dudu Mirefu? Docteur Dudu Mirefu, tungependa wa utufafanulie, wewe ni docteur parce que ushatuambia kama uko aussi écrivain, on a publié ma article et d'autres ouvrages. Uko docteur parce que ulifanya médecine ama uko docteur parce que uko ulisoma mpaka ukapata doktora? Voilà, parce que tunasikia tena banakuita ambassadeur. Pourquoi banakuita ambassadeur, banakuita docteur? Il utufafanulie mzuri. Merci sana. Bon, mimi sikufanya medicine, mimi nilifanya mambo ya droit, fu nikaendelesha mambo ya diplomatie na coopération internationale. OK. Ya pili, niko ambassadeur banamita vile d'abord parce que nilitumika mu diplomatie. Na pia parce que nilikuwa nommé ambassadeur de la paix wa fédération internationale interreligieuse pour la paix du monde. Ndio balimpatia ile tuite titre ya ambassadeur de la paix. Okay. Nilipata pia diplôme ya mérite na honneur ya Égypte. Ichi ya farao balipatia ile honneur. Donc ile ndio maana ninatuma watu wana niitaka vile. Lakini kwa siku za mbele haukukua naishi hapa. Hatujui ulikuwa unaishi wapi, Dr. Dudu Mirefu. Ama ulikuwa hapa lakini ulikuwa unafanya mambo yako kwa chini chini. Paske raia hata tukafanya sondage unakuta watu mingi leo ndio wanaanza leo ndio unaanza toka kwa watu. Ulikuwa huko nje ya nchi ama ulikuwa unakaa haukukua unafanya mambo yako kutaka kui mediatize sana porque watu bakujue ama ilikuwa namna gani? Bon, nafikiri sababu kubwa ni kusema mimi nafanya kazi avec les habitudes diplomatiques. Unajua kama diplomasi inatumika chini kwa chini, inatumika msecret kwa ki public, ma resultat ndio kwa public. Anaasi pengine ile habitude yangu, mimi niko na siku mingi nazaliwa hapa, komalia hapa, nifanya partie yangu ya masomo kidogo hapa, surtout Bukavu, na niliendelea Kinshasa, niliendelea mwinchi zingine. Lakini niko na miaka 8 sasa niko hapa depuis nilitoka mwinchi za nje. Na niko basé hapa na nilikwambia kama depuis 2016 natumika na watu mkadi ya mutuelle de santé. Ndio ni vitu mnafanya group yenu mkartier, huko obligé kufanya media, huko obligé kama unafanya ya mzuri mpaka kila mtu ajue. No, biko sa vile sadaka. Biblia inatuambia mes gauche mes droite wasijue. Alors c'est comme ça que moi je travaille. Sinon ma kazi zangu zinajulikana. Na leo kama biko MP médiatisé parce que niko candidat députation nationale. Numéro combien? Na kama niko candidat numéro 91 députation nationale. Na kama niko candidat c'est parce que j'estime que kuko ma blocage kile ma vitu tuko tunafanya ku base natumika mu base mais atufanye vitu publiquement mais ma blocage ziko pia ku niveau ya venye bako Kinshasa. Par exemple projet yangu mie yenye inatuma ni kusema mimi nafanya promotion ma coopérative. Tunapata batu yataweza kutustenir tu créer banque coopérative. Et ça c'est un projet à 30 millions de dollars. Bah il était avec Tiem Congo, et Tiem banque coopérative pour que les banques qui connaissent la partie va congomani franga, va lime, va fugue, va fanye makazi yao. Po kuto d'intérêt ya kidogo sana et parfois bila intérêt. Bon je pense que Nikita Tirot vote mais jusqu'à présent tout le monde a autorisation du gouvernement, tout le monde a autorisation de banque centrale comme autorité de régulation. Tout un accompagnement à l'État, tout un handicap, ça ne va pas, tout le monde ça ne va pas. Bon, pensez qu'il faut voir la voie, qu'il faut avoir un mandat public et ça se permet de l'utiliser même jour. Par exemple, le projet Akujenga Ville à ouvert. Nous tous les présenter le projet au gouvernement, au président Kabila, depuis Miaka et Lipita, Kusema, voilà, tu parti est ville, statut est ville, parce que tu as Ijenga. Nous avons pas un gouvernement, un ministre. Na bengine walikuwa mparlema, na banaijua. Na tuliwaomba sasa mwende sasa. Na bengine ilibantikia officiellement, mama emeuza 3 pages, 4 pages. Bengine wa ministre, je suis allé le voir 3 fois, 2 fois. Bengine, je l'ai même invité, wana kuya tuende tukutana na bapartenere, juu, ubaonane nabo, pengine utaweza zania, ni kwa kuni vyangu tu. Me tuende, ukutane nabo, tulienda naye
Nadir Kabawa qui est Paris, ils m'ont invité à l'Égypte, à l'Égypte, à Lyon, à ma partenaire, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accompagnement à l'État, il n'y a pas d'accompagnement, 50 francs, il y a papier, il y a 200 francs, il y a billes. Mais comment tu as acheté une ville de Kabambisawaï avec Nyumba El Fusaba? Zenye mtu ataweza kuwa na kala mle na unakuwa unalipa sawa mpangai après miaka 5 inabakia nyumba yako. Na assainissement iko mzuri, voirie inajengwa, éclairage public iko, mai iko, mabarabara inajengwa. Joy plan hapa. Joy plan tunaona hapa. Donc hii ni vision yako ya Uvira. Ya ville, donc Joy plan ya Uvira. Ya Uvira. Ah, okay. Joy Uvira ilipashwa kuwa hivi. Tulipata sati ya ville 2018. Et le projet c'était que dans 3 ans, il n'y a pas le choix de Djenga. Et nous devions avoir hôtel et Yamzuri avec salle de conférence internationale. Il y a ça qui dit ma conférence est faite à Arusha. Okay. Arusha est la capitale. Mais pourquoi la conférence est faite à Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi? Il y a des choses qui sont si on a construit ça. Okay. Na kama zina kuya Uvira, ba bien na Uvira ba tapata makazi. D'ailleurs, le projet que vous pouvez réaliser, c'est 1500 emplois que vous avez créé, mais tu vois quelque part, 1500 emplois. Il n'y a pas de temps à faire. Mais pourquoi tu ne veux pas faire ma ville morte? Na tunajiita bazalendo, najiita watu wa Uvira, nasema tuchagule watu wa Uvira, tuchagule wa kwetu. Mais entre temps, tuko na watu wa Uvira, binye hawawezi kusinye tu papi kidogo, pour que tujenge Uvira hivi. Parce que kama tunajenga hivi, avec l'hôpital de Sawaï, na wazi watu ya Burundi na batakia tunziwa huku, na Rwanda. Pourquoi shiri tunjo tuende tunziwa kwa watu? Bon, kama tunajenga université Sawaï, na wazi tushapana 1380 bourses, tutaweza fikia sasa ta 10,000 bourses. D'ailleurs, le projet yetu, c'est pour que tupane 1,000 bourses par an. Mais ma condition ça mzuri, leo tukanda na loue ma face ya kusome. Bon, ça ne va pas. Mais kama tuko na centre commercial ya hivi, pourquoi shiri tu, yo tukanda na wemele ya mvumbi? Chakula wanatandika chini, mutu anakuya emea, sana naenda kula, anapata tifoidi. Donc ulienda uza tifoidi. Unaenda uza chakula, unarudia na tifoidi. Kolera ingaliki kwetu, mu 20e siècle. Juu ya makondisyon et defi. C'est pourquoi nous disons, si nous voulons impacter notre génération, si nous voulons changer notre société, nous devons voir vitu ya ville comme singi, et c'est ça moi mon projet. Donc mes réalisations, on les connaît, bon, banafunzi wako bataweza témoigner, batu wa mkezo wa mutu de santé bataweza témoigner, ma coopérative de Nyoko promis bataweza témoigner, mais qu'est-ce que nous voulons faire? Pourquoi être député? Nous avons besoin d'une banque coopérative au Congo. Inchi zote, batu wa matakama crédit. Na wazi tukivuka hapo Burundi, tuko tunaona gisi bafugai bako wanaacha ngombe mlupango, wanaenda na gari, wanaenda kata mayani, wanatia mia gari, wanaletea ngombe. Boku kwetu, tuko tunaona gisi tunatia pa mama yetu magari za vile vile, zileza kuleta mayani ya ngombe, njoo waende kushamba. Sanifapa. Ninye ba kandida njoo mko mnafanya vile. Sanifapa. Ninye njoo mko mnafanya vile. Donc mwana ya kama ni... Entre nous. C'est une façon inhumaine, mais on a accepté que vous appelez la ville. Donc vous mettez la vie de vos électeurs en danger. Mais je pense que le mien de faire, il y a un maloi, ça ville a créé office de promotion de coopérative. Parce que loi ça la ville, il a tracé ma zone agricole. Et je pense que ce qui est un projet de société, il y a docteur Mkoué. C'est parce qu'en tant que son conseiller, on lui montre que non, si vous êtes élu président, il faut quand même que l'économie change. L'économie n'a pas, comment on a produit? Mais si il y a bien tout ce qu'on a comme une toque à Inchi. Angalia plein, angalia face ya kulima yetu konayo. Ailombi hata angre, betu kwa ndauzia tomate nchi ingye. Ça ne va pas. Pourquoi ne pas encadrer ces paysans là par une loi qui promet les coopératives et qui assure que nous ne pas de crédit, il nous faut une banque coopérative pour ça, na baba et bako, pa partenaire, mais à coup d'autorisation à l'État et tout. Il faut quand même battre ici ma condition à Mzuri, na baba et bako djenga bako, mais à coup d'autorisation. Il faut quand même battre et bako encadrer. Il faut un stade, tout le stade. Il faut aussi que moi, je suis au Vire. Il faut aussi que moi, il faut aussi que moi, même je suis à Chelsea. Ok, je suis au Vire. Il faut un stade moderne. Un stade moderne, il faut dans une ville moderne pour que moi, tire. Tout ça, vous estimez l'économie était à quoi construite à travers le projet. Vous verrez que ce n'est pas moins de 5 à 10 milliards de dollars qui la moaka. Il n'y a pas à circuler. Moi, il y a région et tout. J'ai dit 1500 emplois, avec 1500 emplois, comme aquel homme qu'on a poké à 1000 dollars. Vous voyez ce que ça fait? Mungini, où les moutons n'ont pas engagé à l'économie, on a gardé quelque chose, on a gardé chauffeur, vous voyez que tout a pas nous en casse. C'est ça l'économie, c'est ça la société. Il faut encadrer la société, et la société, on la cadre par des lois, par des tests, par des projets comme ça. À part la manière dont il y a ma caville là, à part la manière dont il y a ma caville là, beaucoup de monde là-bas, tout le monde est autour du projet.
Merci beaucoup. Je pense que vous êtes en train de nous suivre très bien, très bien. L'émission avec Dr Doudou Mirefou, il est aussi ambassadeur de la paix. Elle est en train de se passer très bien. Voilà, il est en train de nous éclairer sur son projet de société. Il est en train de nous éclaircir sur quelques questions liées ou ayant trait à ses réalisations avant même qu'il ait l'ambition politique ou avant qu'il pense sur comment il va postuler. Voilà, nous comprenons déjà qu'en dehors d'être écrivain, il est aussi entrepreneur. Il est aussi recteur de l'université, c'est l'université coopérative. Coopérative, voilà, INICOP. Mm-hmm. Voilà, donc ce n'est pas à nous de vous appeler à voter pour lui. Il a dit qu'il est le numéro 91. Ce n'est pas à nous de vous appeler à voter pour lui. Mais comment tu lui fais une émission? Comment tu lui réserves une émission? Ni juste pour aider aussi la population à savoir pour qui voter. Donc, Hatuta Kitena. Tu potezes Masauti pour souffrir encore pendant 5 ans. Chomana tuko tunaita kila mutu, tuko tunaita kila candidat. On ne se focalise pas sur soit une seule partie. Donc tuko tunaita, oui, je pense quoi, opposition. Ah, nous sommes des centristes. Vous êtes des centristes. Ok, merci beaucoup. Mais nous sommes en train de recevoir, voilà. On reçoit les gens, les candidats de la mouvance. On reçoit on reçoit les centristes. Donc, ils ne sont pas ni du côté de la majorité ni de l'opposition. Et sont juste milliers. On reçoit aussi l'opposition. L'émission Zoom sur la société, Tunga Lindani. On est encore avec Dr Doudou Mirefou. Dr Doudou Mirefou, vous pouvez nous expliquer jusque-là comment se déroule votre campagne électorale. Est-ce que là où vous êtes en train d'aller, vous avez l'espoir que vous serez massivement élu à Uvira, compte tenu de ce que vous êtes, de votre carnet d'adresse? Mais avant cette question, Tungependa Kwanza, ou Tuambie, parce que tu nous as déjà montré le plan, on a envisagé une fois élu. Comment concrètement, avant la question sur le déroulement de votre campagne, comment concrètement on a fikiri à réaliser une bibliothèque une fois occupée? Ah, merci. Est-ce que vous avez des moyens, des gens quelque part pour mettre en pratique toutes ces choses? Une question, il y a moyens zingine à bawezi uliza tena. Par exemple, le Kenya bawezi uliza ville. Par exemple, les États-Unis, France bawezi uliza ville. Ata par Rwanda bawezi uliza ville. Mais vos téléspectateurs, comment vous pouvez uliza ville? Uko kwetu, comme tu as elewa mzuri ma coopérative natumika namna gani, ni kesho ya maana sana ya kuuliza. Mimi niko président wa confédération ya ma coopérative ya Congo. Mimi ndio na représente Congo au niveau ya Alliance Coopérative Internationale. Kule kuko secteur banaita secteur habitation, kuko secteur ya santé. Il y a 9 secteurs là-bas et il y a là-bas de façon yenye tunakutananaka na vingine. Et par exemple, nilienvita ka ndugu yetu ministre wa développement rural tu tukutanana na wale babayeur. Excellence François Babayeur, babayeur c'est lui qui a fait le mais au moins moi quoi en place pour que tukutanana na wale watu baone comment on finance vitu ya ville. Et c'est simple, c'est facile, ça s'est fait chaque fois. Un projet, c'est un financement, il y a 138 millions. Quand tu l'as invité à l'Ikuya, à Mahakukui. Tout le monde a directeur de cabinet à Joa, tout le pilier est peut-être à l'Ikuya. Mais au moins, il a vu, de lui-même ou par son directeur de cabinet à Joa, que voilà comment ça se finance. Et ce sont des développeurs qui les font partout au monde, où ils sont invités, où ils ont l'accompagnement de l'État. Et ils vont récupérer cet argent petit à petit parce qu'ils vivent au territoire comme un anima franc. Ça va. Benye, tu vas t'ouvrir les manioumba. Azuko manioumba zabore. Ils investissent pour qu'ils vont développer Mungine. Qui chamo na ikala moyele Mungine. Mutoko na lipa kido kido kosa ni liba pangai. Mais à la fin de compte, ils n'abakia bien. Donc vous avez d'office donc, à la fin une parcelle dans la maison et il n'y a qu'au construit. Il n'y a qu'au construit, il n'y a qu'au quartier à Mzuri, il n'y a qu'au construit. Mais il a respecté au moins ma norme hiérarchique. Oui, il faut construit pour vivre. Parce qu'on n'a pas choisi. On a beaucoup de choses, il faut respirer à Mzuri. Il faut habiter en barbare à Mzuri, il n'y a pas de vivre. Est-ce que tu sais que ma conflit est qu'on a aussi moya mubatu ziko dit seulement ma conscience tu n'es chiam. Ni je toka ngo mufumbi ya mingi hivi. Kwanza ni salimia, naanza tuboka. Ma tumbokia nini sikukutukana? Ah, bisirani nisho tokea tu kwenye. Ma condition de vie, hakuna mali. On est stressé à tout moment.
Les conditions de vie. Mais ça ne va pas. Donc, les conditions de vie, c'est ça le problème. Et il y a des organisations qui travaillent sur ça, minimum parmi les organisations. Et on a même des protocoles d'accord déjà signés. Okay. Nous avons besoin d'accompagnement, il y a pouvoir public. Il y a l'accompagnement, candidature de Yangu Kwenda Kouitafuta. Et c'est là qu'entre une deuxième raison, il y a appel, il y a société civile, appel, il y a ma église, il y a Congo, ma confession religieuse de vote. Il faut renouveler la classe politique. C'est tout qu'on a classe politique qu'on a bloqué depuis Yaïf. Mais ils se disent quand même Bakouetou. Ils se disent quand même que le candidat de l'étranger, si un job congolais, si un job patriote. Et comment vous pouvez bloquer depuis Yaïf? Alors qu'il y a Nikouen. Ça ne va pas. Alors il faut changer de classe politique. Et moi j'ai dit aux électeurs, parce qu'on a mis la campagne et qu'on est dans la gagne, dans le même. Je connais l'Afrique quand on a bien qu'on a électeur et vie. Attaque moi, je ne sais pas. Parce qu'à mon temps, il était ensemble. Je suis un peu plus grand. Bako au pouvoir, bana badisha ka tuma jina ya ma parti, leo kwa opposition, leo kwa pouvoir, kama haiko yeye ni baba yake jua alikuwa, kama haiko baba ni mtoto, au binamu au shangazi, mais c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Majina ya ma parti tu inachange. Leo kwa moi parti kesho kwa moi ingine. Leo iko chef huku bon, iko ku parlement leo. Les opportunistes kesho iko ku na ça ne va pas. Ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de réalisation. Bana tu as une expérience politique, les politiciens aux amants ils ont une expérience. Mais expérience pour avoir fait quoi? Parce que ce qui est en train de se faire, c'est que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait ministre, choses. Nous gouverneur. Mais gouverneur, nous avons fait des choses. Ma réalisation. Hakuna. Mais opposition, ça, ça. Nous avons même débat avec nous comme opposition. Léo, nous avons 18 ans au pouvoir. Il y a une année, nous avons opposé. Qui est en train de pouvoir tenir la Félix? Tu as ma intérêt. 4 ans. Parti à Kérokma et Kumule. Après, il y a une année, il y a un pouvoir à quoi opposer. Vous voulez me quoi? Il y a opposition, nous, aujourd'hui. Il y a opportuniste, vous voulez. Donc, pour nous, il y a un problème de classe politique qu'il faut changer. Tout est tout, classe politique est moupi. Donc, attends, comme on a mis ici, on y a. Mais il y a une classe politique est moupi. Parce que tu as vu un décor, il y a organisé la société. Il y a des politiciens qui sont chargés pour organiser la société. Maintenant, au lieu d'organiser la société, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des autorisation. Hakuna madokima ya leta, hakuna malwa. Le cooperative leo kuyarashisiri ingali kastete. Me ile, ukiena kubank centrale yetu. Bata kuonesha kama 39 a 43% ya PIB ya Kongo, iko di kuma cooperative. Na maorganizasyo peizana. Bata kuonesha kama, shie biyote yetu natumikisha umu, 90% liko importe. Me ile 10% inabakia. Denye bana biproduire ni ma cooperative na maorganizasyo peizana. Me nous avons une loi depuis 2012, due à ma cooperative. C'est seulement en 2020, mois avril, le premier ministre a fait un décret. Il a fait appliquer les lois. 2020, c'est seulement à part à moins de 2010, le ministre a fait une mesure d'application. Ce qui est tout géré. 20 ans, 10 ans, pour faire une loi, il y a tout. Il y a tout. Il y a 43% il y a PIB. 43%. Il y a PIB, il y a richesse, il y a une. Il y a tout qui est mobile. C'est ça les choses que vous négligez. Vous nous parlez maintenant d'autres choses, et accessoires. Bien évidemment, ça va permettre tout, mais pas de ma rétro-commission. C'est ça le problème. Donc, changer de classe politique. Restons sur la question de l'état de santé de votre campagne électorale, docteur. Oui. Est-ce qu'il y a des avancées significatives ou parce que nous sommes à quelques jours de la fin des campagnes électorales. Jusque-là, vous êtes en train d'atteindre le pari où il y a encore beaucoup de choses à faire. Non, c'est, moi je n'appelle pas avancer, je n'appelle pas pari. Moi j'appelle ça seulement une révolution. Parce que les électeurs que moi j'ai rencontrés, côté Konya Minapita, j'ai été surpris de voir qu'il y a une population, il y a une maturité, il y a ce qu'on a choisi. Ok. Parce qu'on s'est demandé pourquoi va tout le monde. Mais maintenant on retrouve Nangena et tu vois que non, la population est éveillée. Et la population est en train d'attendre les 20.
pour qu'il va s'exprimer. Et nous espérons qu'on va les laisser s'exprimer librement et qu'on va respecter leur voix. Sinon, la population est prête. Tout le monde va sensibiliser, tout le monde va en échange. Et je vous assure que dans la forêt qu'on a, une fois, il y a un projet. Parce que nous avons un semaine, quand on a un semaine, bon, on a un semaine. Ton échec est un semaine. Mais par que c'est une semaine. Ton échec est un. Parce qu'il y a un qu'on a qui. Bon, montrez-nous que si on vous donne un mandat public, ni on t'a réalisé. Ni on le chaque a réalisé. Ou quoi en politique, ou le fanya ni. Ou quoi en politique, ou quoi on a géré un budget à 20 millions par an. Parce que nous avons des ministres, des anciens ministres. Pourquoi on a un budget, 20 millions, 10 millions, une province, une nationale. On les fait pendant 5 ans. Et la population est en train de voir qui fait quoi. Parce que la population est en train de faire la différence entre les imposteurs et les vrais. Les imposteurs, ils sont en train de faire la même chose. Mais ma réalisation, c'est pour le peuple à Kuna. Parce que la population n'a pas au groupe. Il y a une chimie, il y a une gare à Mzuri, et Hangi parle. Donc, on a ce qu'il y a titré à Kabambi, ministre, député, et Hangi, on a peur. Mais la population ne les aime pas, la population ne les respecte pas. Alors, ils ont peur. Maintenant, je trouvais que la campagne n'a pas été Mzuri Sana, on a Elewa, on a Furai, on a appuyé Moutou. Voilà, puis il y a projet. Alors, derrière le projet, maintenant, je peux aller rapporter ça. Candidat, il est projet. Mais bah, tu vois qu'on a comprendre qu'il faut d'abord un projet. Malheureusement, tout le monde a regretté toute mon campagne. Si on a un adversaire, on a un projet, tout débattre ça. Personne. Tout le monde ne parle que de lui. Dans ce qu'on a dans ma fiche. Photo, il y a Kaya Kabambi. Bon, ça, c'est la photo, il y a quoi. Sortir, on s'en met. Ma réalisation. Tourner chez réalisation. Projet. Tu as ce projet à Koun. C'est ça que je déplore. Que tout ce que tu n'avais pas tout, tu es ma Kabila. Je suis flan, tu es député. Non, ça ne va pas. Je suis tout ce qu'on a ma Kabila. Moi-même, j'ai été à Mourenyon, mais je l'ai remontré. Si vous m'appuyez, appuyez-moi pour les idées, appuyez-moi pour les projets, appuyez-moi pour les réalisations. Les restes, travaillez comme Israël. Ma Kabila, c'est une richesse culturelle. Une richesse qui te permet de organiser la société. À partir de là, enregistrer votre mitoué, votre coin, votre ziwa. L'état va tout, va pas te ma somme, va pas te ma bourse. Et ça, on peut faire, tu avais pour sélectionner, on peut équilibrer. Mais à pas utiliser Kabila, ça veut le fimbo. Il y a un peu de pigani, je m'invite pour que vous ne quittiez pas. Parce que fimbo n'a pas de cac. Mais mon nom n'a pas de cac, on n'a pas de cac. Attaque, vous ne dites pas, ça pone. Mais fimbo a été arrondi à terre. Donc évitons cela. Docteur, mais si yakuona, si yaona gisi niko naona bengine na gisi population ya Uvira na ya Congo ina iko habitué. Donc tuko tunaona mitugari bengine banapita avec des tapages diurnes, même voire nocturnes. Mitugari ko inapita avec trop de la musique. Trop de bruit, dans le sens que zina dérangé même batu bengine banashindwa kufanya kazi. Wewe si aona vile vitu, si uwe uko nafanya kampanye namna gani? Est-ce que c'est une campagne ambulatoire ama uko na invité batu na bakusanyisha quelque part, comme ça unaanza kuba prêcher sur tes réalisations, tes perspectives, comment uko unafanya? Bon, niko nafanya campagne dans le nord. Gisi inapashwa kuwa. Hapana gisi wengine wanafanya au comme d'habitude. Haiko kesho ya bitidi. Role ya kampanya elektorali ni wakati ya kuedike population. Juu ya madura yabo, juu ya inchi yabo. Edikasyon civique et elektorali. Njyo binyumi kwa fani. Et je ne pense pas que tu peux édiquer la population avec les fujo. Yon apitane au magari, yon apitane au caravane motorisé. Ça c'est la sensibilisation et le vaccin. Ah, donc ils sont en train de faire une sensibilisation à vaccin. Ça ne va pas. Allez, placez à. Et puis. Il y a campagne électorale. Quand on a vacciné, on a tout parti. Au moins, quand on a tout parti à Jenayabo, on a Surayabo. Bon, mais moi, on a tout parti à Mzombe, nous avons besoin d'idées. Nous avons besoin de responsabiliser le peuple. Dieu est un chiac. Il faut que la population ait un problème. Vous avez recommandé à ce que vous personnellement. Selon alors, la façon dont on a eu la campagne à Pitikanaka à l'extérieur, parce que vous avez vécu longtemps à l'extérieur de la RDC, nini wale watu wako wanakosea wenzako wa candidate kwa kufanya matapage? Non seulement j'ai vécu là-bas, mais aussi j'ai été observateur à ma élection à nchi zingine. Okay. Pour le compte ya SADC. Et je vis que wakati ya élection ni wakati ya kuambia population ça que c'est ni sema hapa na wakati ya kupresenter projet yenu.
Et les méthodes, c'est de chercher le moyen et de permettre qu'on contacte la population. Parce qu'il y a toujours une joie bien. Il y a toujours une joie. La population, il y a toujours une joie. Si on a une comprenez, si on devait faire une leçon, il y a éducation électorale, une leçon à politique, une leçon à démocratie et gouvernance. Et je viens parler ce soir d'ailleurs avec le groupe, il y a ma développement de société civile, Takoum Sal Mouamou, à 14h. C'est la base, c'est l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Okay. Il l'exerce par les élections. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Maintenant, on semble nous montrer que ma partie politique, Kenjou, n'a pas choisi le pouvoir. Qui va ministre le pouvoir, non, le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est l'occasion, il y a quoi dans le peuple, parce qu'il lise, parce que Dieu met le pouvoir, il faut pas qu'on ait un ou faire une naïf. On a seulement qu'on a un projet, quelque chose qui est au cas de la bon, quelque chose, nous voulons voir des résultats, oui, nous, parce qu'il parce qu'il va nous jouer un chien, non, va nous jouer, il va l'attaque, il va tout basim, je vois le sien, ben, j'ai trouvé une population qui est mature, parce qu'il va ce qu'il lise. Non, non, non. Bon, j'ai vu, il y a quelques personnes, ben, ils vont faire ma élection, ça, je l'ai bien cher, hein. Il y a occasion, quand le yenge, hein, tout en année, tout cognoué, pour tout chaiser, tout frayer. Bon, il y a, c'est, il y a, c'est là. Mais il va donc, Il y a quelques groupes comme ça, on a invité au candidat Léo, quelque chose. C'est bien aussi d'écouter, mais pas pour le yenge, pour qu'il va tout, bah, quoi, distrait. Non, non. Bon, il y en a, ma ville, pour eux. Et il y a aussi certains de vos candidats, mais pourquoi pas la franque à docteur? Tu peux te citer. Job il est venu qu'on a fait, mais on n'a pas la franque à monnayer, campagne. Ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Si on peut donner un peu de moyens, c'est pour l'équipe de campagne, j'ai déplacé. On peut te carburer, ben. Faire une campagne quelque part. Mais pas une franque, on va vous dire, bah, électeur, c'est parce qu'on avait un parti en termes d'idées. Parce que s'il faut que Gaboula vite, Gaboula, c'est à ta ma bourse d'études. Ah, ah non, non, Zombo, tu viens là pour donner de la bière. Faciliter les gens à l'accès aux soins de santé. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et ça, c'est, ça ne doit pas être des choses, nous, qu'on a fait une campagne. La campagne, c'est un mois. Non, faites des choses qui sont durables. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Soyons vrais, ne soyez pas imposteurs. Mais soyons vrais. Alors, ça, j'ai déploré ça en campagne, mais je trouvais aussi beaucoup de gens qui ont de l'espoir, moi et Inch. Ça, ça m'a beaucoup encouragé. J'ai trouvé beaucoup de gens qui ont suivi consigne et ma confession religieuse. Kusema, après, on a tout le monde à la poste, il est face à Mbili. Il y a peu national, la province. Tout est peu que moi, il compte. Il y a peu qu'un candidat, il y a quelqu'un qui se caractérise par l'individualisme. C'est quoi ça? Il veut toujours qu'il soit seul au perchoir. Bon, mais qui tout le monde à tout, ni Kenyan, ni Chukia, mon campagne. C'est qu'il nous permet de jouer mtu mwenye nilikuwa natumika naye longtemps parce qu'on a joué ta kabila yake mais cette fois-ci nilijua joue bana ile sana parce que nilimkamata comme si player joue que tu natumika ka mais là ça quand on dit les fiches nous on nyo kwenu huko alors bon ça je n'avais pas besoin mais au moins disons campagne pour saidia kumjua na fanya nimjue bon pourquoi mais ce que nous avons besoin kabila yake il n'y a pas besoin de gaz qui se tomica, il n'y a pas besoin de mes résultats, il n'y a pas besoin de ce que ça a dit à Batou à travers ma réalisation. Et il m'aide à faire ça à travers l'université, il m'aide à faire ça à ma coopérative, ça me suffit. Maintenant, il y a quoi comme je les ai dit, je n'en avais pas besoin. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont essayé d'utiliser ça en campagne. J'aimerais décourager ça. Population, il y a ouvert, population, il y a Congo. Candidat, il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de faire ça. Pana kabila batatudanganya sana na batatubomola batatuchonganisha. Election ni wakati tu population exerce pouvoir yake atie biongozi pale atabakia na kontrole. Après election tutabakia tena bandugu tutabakia tena barafiki benye bataganye batatufelisa chef chapita bon tutakuwa felicité na benye habataganye ba comprendre ni fair play. C'est fair play et on restera des amis. Et ils ne sont pas inférieurs. Ils vont tenir qu'on a ma idée, ils vont tenir qu'on a une idée. Il faudra même aller à Tabita avec qui on a collaboré. Un mois de campagne électorale, de compétition, comme si on était dans un match de foot. Et après le match de foot, on reste amis, on reste collègues. Un mois de campagne, c'est tellement important, c'était trop. Kuko d'ailleurs, Beni Balichinda Koukoua actif pendant un mois. Voilà, fidèles téléspectateurs, l'émission Zoom sur la société qui a eu le privilège de recevoir
Docteur ambassadeur Doudou Mirefu, recteur de l'université coopérative. Voilà, émission Iko Enaenda vers sa fin. Vous êtes en train de suivre. Nous sommes déjà devant une épreuve. Bientôt là, nous serons appelés en tant que souverain primaire de s'exprimer dans les urnes. Soyons prudents, soyons trop vigilants. Ça revient au rôle des médias. Ou kwetu zetu sisi wapasha habari tunatakiwa kubaprevenir aussi d'une manière ou d'une autre pour ne pas encore gaspiller, pour ne pas faire perdre sauti zenu, sauti zetu, kwa sababu ni maisha yetu ya miaka tano. Tunatakiwa kuwa makini sana, tujue nani tutachagula. C'est vrai, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Les gens sont en train de nous balader avec de la musique tous les jours, tout le temps. On dirait que la ville d'Uvira et la RDC aujourd'hui, parce qu'il y a Vinapitikana, pas Vinapitikana, partout en RDC, on dirait que tu n'as quoi édition de la musique. Nous devons éviter ça, chers candidats. Ce n'est pas ça la campagne. Ce moment est crucial pour vous de se rencontrer avec votre base naturelle, de se rencontrer avec votre électorat. Wakati tuliona hamufanye ville, c'est ainsi que nous, au sein de notre politique interne, dans Uvira News TV, on peut commencer à vous inviter l'un après l'autre pour que tout va faciliter, pour que tout constitue un pot, yakuba kutanisha nye na population. Voilà, merci beaucoup. Docteur ambassadeur Doudou Mirefu, vous avez ne fût-ce que 3 minutes pour un message à votre base naturelle pendant cette période électorale. Bon, merci Sana. Na population yote ya Uvira na ya Congo bafungule macho ya mzuri bachambue projet. Projet ya mtu haiko yepeki kwa la familia yake. Projet ya mtu haiko juu yeye apate kazi. Projet ya mtu, kazi ya mtu yote matafuta manda public ni kwenda kutumikia batu. Na unatumikia batu kama unajua probleme zao. Donc kampanye electorale kwa occasion, chez les candidats tusikilize batu ma probleme zao. Iko occasion pia tuoneshe batu kama tunajua ile ma probleme. Na tupresente ma solution kwa ma probleme. Na waza kama ngambo yangu nilianalize ma problème za kwangu depuis zamani, ninasemaka ma émission ma dimanche ma mercredi, ninasemaka ma journaliste Marco Amara, ninasemaka masomo, nafanyaka ma conférence na naone na ileo ma problème na na proposer ma solution. Na solution moja yenye itanglobe vingine vyote ni projet yangu électoral. Tunataka tukue na banque coopérative Mkongo. Tunataka tu crées économie iko équitable. Haiwezekani député akuwa anakuja kuuzia chumvi. Alors kini mtumishi wako? Utaweza kuwa na boulangerie yako, unatengeneza mikate, kisha mtumishi wako ndio atakugabulia mkate? Impossible. Parce que wale wa député wa ministre wanaenda kugere tu budget yetu. Na budget une franga zetu, une taxe zetu tunatiaka mule. Haiwezekani kio kutupatia kile. Shinyo tupasho wabati. Donc la situation inversée. Il faut turudisha vitu kwa normal. Tu reconstruire société yetu kuma norme sawa zingine. Il faut donc tout mettre fait kuma vice, ma antivaleur. Mtu ananza iba, jua aonekana le bien, na watu wanaheshimia mwizi. Non, ça ne va plus. C'est la justice qui élève la nation. Et dans une minute, il faut tu jenge ville ya mupi. Pour que tu kuwa na makondisio za mzuri za kuishi. Mule ndio ma solution zote. Hakuna mai, hakuna moto, hakuna barabara. Ma solution zote ziko mule. Hakuna hospitali iko mule. Hakuna makazi ziko mule. Hakuna sijui salaire haziko mzuri, ziko mule. Na makazi yanapaswa kuwa durable et décent. Ni mule. C'est pourquoi je ne fanya e projet parce que je sais que il a résolu les problèmes yote yenye tunasikia. Ya pauvreté, ya chômage, ma problème ya ma condition de vie, ma somo ya batoto. Tout moi il est projet de société et aussi kuangalia comment tutaweza saidia dans hizi vinaandikiwa hata hapa comment tutaweza kusaidia wengine wakisaidia masuala de santé na mabourse ya watoto. Société yote inaendelea juu ya wasomi wake. Maintenant il faut tout produire njo a projet yangu mu kila village, kila entité ya territoire yetu tuko na au moins 20 licenciés benye wa bénéficier la bourse et donc 1000 bourses par an
Ndjo projet Yangu, j'ai déjà 1380, je voudrais 1000 bourses par an. Dans 5 ans, comme une voix députée, dans 5 ans, je peux produire 5000 licenciés, Benye Mie Nilisomecha. Après, attends, Nikikoufa, n'attends pas mon goût bien, n'attends pas ça. Comment il contribuait pour changer la société à Sansan. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, d'ailleurs des milliers de gens, en train de suivre l'émission Zoom sur la société. Zoom sur la société, une émission politique qui vous a toujours été offerte par la télévision Ouvira News TV. Aujourd'hui, nous étions avec Dr. Ambassadeur Doudou Mirefou. Et demain, c'est toi. Donc, prépare-toi très bien. Cher candidat, demain nous serons avec toi. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission qui a juste parlé dans son exclusivité du docteur Doudou Mirefou. Docteur, merci beaucoup et au plaisir. Bon, c'est moi qui vous remercie et à tous les téléspectateurs, je vous remercie beaucoup. D'accord.